se retrouve pour le vlog cœur de Mélidon. Wesh, les michetons, ça va? Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé quelque chose qui permettait de fumer mes gros hanches là. Attends, je vais regarder par ton trou. Waouh! Oh, fume ton hanche, Raoul. Ah, on est bien là. Ah, c'est bon. Nickel, Raoul. Nickel. C'est parti pour continuer le vlog. Bon, nous, on va aller au Carré VIP de Poitiers. Voilà. Oh d'où tu rentres, toi? Tu t'écris pour un VIP? Bah oui, enfin, je suis. Non, 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 pour être un VIP, il faut pécho des michetos. T'as cru que t'allais pécho des michetos? Mais je suis Otou, ton sponsor. Ah non, 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 Otou n'est plus mon sponsor depuis qu'il n'a pas fourni assez de fric le mois dernier. Je suis triste. Bon, bah, moi, je vais retourner. Allez. Ah, mais je peux enfin bronzer en hiver à 360 degrés, ça fait du bien. Tout, il y a tout qui tourne. Il y a Raoul, il y a la caméra qui tourne, il y a tout qui tourne. Ça tourne. Raoul, il ça bronze. Tourne, ça tourne, ça tourne. Mais Raoul, dis donc, ça fait quoi si on regarde le sol? Moi, je sais que Raoul est très en colère, du coup, je vais lui offrir cette petite fleur. On va voir sa réaction. Oh, Otou, Raoul. Qu'est-ce que c'est que ça, Otou? Raoul, je t'offre une fleur pour me faire pardonner de toi, Raoul. Ah, c'est gentil, Otou. Je t'aime, je suis c'est ton. En plus, toi, t'es plus beau, mais par contre. Oui, Raoul. Regarde, Otou. J'ai fait une nouvelle acquisition. Tout ça, regarde, c'est la campagne au Misto, comme on le savait déjà. Oui. Mais tout ça, c'est mes vignes pour produire mes vins. Et devine qui y travaille dur là-bas juste pour qu'on ait du vin au Carré VIP? Je sais pas. Et ben, c'est toutes les michetons que j'ai pécho jusqu'à aujourd'hui. Hop, elle travaille, et bim, ça donne du vin. Et donc là, comme on peut le voir, les raisins sont de sortie. Vraiment, regarde, tu peux même les goûter, ils sont très très bons. Regarde. Vraiment, un bon cru. Prends-en. Ouais, c'est beau, ça, merde. Un bon cru pour cette année 2017 qui s'annonce l'année du 7. Regarde, avec les vignes qu'on a, elles sont tellement expertes dans la matière. C'est sûr que bah, déjà, il y a une forêt, ouais. Mais, je veux dire, les vignes. Avec tout ça, vous avez réussi à produire que votre bidon, là? Oh, c'est un bidon spécial. Ah ouais. Mais arrêtez de croire ce mec, son école, il fait trop de la peine. Regarde, Otou, on est devant mon arbre préféré. Mais je ne vois pas d'arbre. Ah oui, il faut donc monter les yeux. J'en prends soin, regarde. Waouh, wow. Tu sais à quoi il sert? Non. Mon arbre, c'est mon arbre à bleu océan. Wow. Il produit mon bleu océan. Mais ça, faut pas trop le dire, parce qu'en fait, des fois, quand je suis impuissant, il fait aussi un peu du GHB, regarde. C'est parfait quand j'ai un peu des problèmes, mais ça, faut pas le dire. On l'appelle donc l'arbre à GHB. Oh, ce paysage est vraiment splendide. Oui, c'est la brousse. Mais à quoi ça servait? Je sais pas, Raoul, mais tu vas me le dire, je pense. Bah, ça servait à faire le tapis du Carré VIP. Ah, de Poitiers. Maintenant, t'as remarqué que ça a changé, parce que depuis... Oui, c'est bleu océan. Ah, c'est bleu océan. Et oui, on a changé. On est des fous, nous. Vraiment de la mousse de qualité. J'aimerais bien... Attends, en plus, elle sent. Hé, ma petite michton, marron chaud. Ah oui, Raoul vend des marrons chauds. Ah, t'as cru que je me vendais des marrons chauds? Moi, je suis assez riche comme ça sert à rien. Ah. Ouf. Mais dis donc, tu fais quoi, Raoul, là? Ah, là, je suis au temple comme tous les jours et il faut que je m'amuse pour pécho mes michetons. Allez, 3, 4... 1000! Ah, j'en fais 1000 tous les jours des pompes comme ça, regarde mon beau corps de rêve. De rêve et de corps, Raoul. C'est vraiment. Attends, en plus, on va regarder par ton trou. Oui, c'est ouais, vrai. Ouais, le paysage. Terme. Attention. Trou! Tout est plus beau vu par mon trou, Otou. Et tout est plus beau vu par son trou. Voilà, la belle salle de muscu de Raoul. Vraiment, on y retrouve tout du matériel technique. Avec ici un banc pour faire du développé couché. Un tapis pour faire du gainage, des pompes et des abdos. Et ici, on retrouve toutes les machines dédiées plus, pas au cardio, parce que Raoul, il s'en bat les couilles du cardio, lui, il pense qu'aux muscles, mais tout ce qui est abdos, pec, etc., le serré assis, voilà. Sec comme mes muscles, voilà, je suis sec et énorme. Je t'aime. Oh putain, Raoul, j'en ai marre là d'attendre le train. Bah, moi aussi, j'en ai marre, t'inquiète, Otou. Ta 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 da. Le train en direction de Poitiers aura 3 heures de retard. Oh putain, tu veux te faire clasher? Bah t'as vu qu'il n'y a pas de retardé? Tu veux te VIP? Mais bon, tu vois, c'est ici. Espèce d'enfoiré, je vais te matraquer!
bah y a même pas de popcorn hein, dans le camp. Et y a même pas de maïs. Au tout, c'est de la merde, ça rime pas. Là... Oui, bah c'est quand même parce qu'il y a un clash. Hein. Bon bref, du coup, comment on veut carré VIP? Bah du coup, je prends ma limousine, t'es con en fait. Mais Raoul, oui. Pourquoi tu nous fais attendre ce putain de train? C'est derrière une putain de limousine. Bah, j'aime bien faire chier le monde en bougeant comme ça. Ah oui. Mais ça, on le savait déjà dans le vlog cœur 1. Oui, bah voilà, je t'ai emmené au train juste pour te faire chier. Et pour finir, petit coup de gueule pour la SNCF. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur train, mais plus il y a de passagers, plus les trains sont petits. Ouais, et en plus, surtout même, rechargez pas vos téléphones dans les trains parce que ça nique la batterie même. D'où tu te tais? Merci. Pardon. Et dis donc, Raoul, tu trouves pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas rendu visite à Hector? Ah, tu veux voir notre ami Hector? Ouais. Allez, viens, on va aller le voir, on va lui... Mais Raoul... Mais même s'il n'y a pas de... Raoul, comment tu vas faire pour fumer ton joint chez Hector avec ce qui a marqué ici? Bah, je sais pas, comme d'hab, soit on va l'appeler comme tu nous l'as proposé, soit ouais. On va faire les petits thugs. On va inviter toutes les michetons et tout ça. J'aime comment tu es un rebelle, Raoul. Et oui. Et nous sommes donc arrivés au fameux toujours la main de ce Victor. Regarde, il est beau, mon petit Victor. Raoul, VIP, se promène, c'est le plus grand des chasseurs de michetons. Et il est VIP. Et important. Wesh, je suis un beau gosse. T'as vu Raoul, je chante des airs. Ah oui, tu chantes vraiment bien. Si tu veux, j'ai d'autres airs. Raoul, le VIP, c'est un DJ sauvage. Il fait chaud des michetons et c'est le plus grand des idiots. Ah, on a tous reconnu notre petit air de... Bah ça l'océan. Ah non, pas du tout, c'était Harry Potter. Mais t'es trop con, c'est pas Harry Potter, mais c'est le Seigneur des Anneaux. Et toi, Victor, si tu créais une chaîne de pizza et qu'elles étaient livrées rapidement, tu les appellerais comment? Bah, Victor Express, peut-être. Oh, ça alors? Quelle coïncidence, Raoul. Ah bah oui, on était vraiment des rois de VIP, là. On est des carrés, on est des VIP, on est des ouf. Oui, c'est vrai. Oui. En effet, tu as raison. Oui. Toi, il y a de l'ombre, là, non? Ah, énormément de soleil. Ah, regarde, je suis en train de bronzer et bim, 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 t'as vu, je vais devenir tout noir. Hé, Raoul, ne renie pas tes origines congolaises.